Le 9 juillet, plusieurs membres de la royauté anglaise étaient présents pour le tournoi de tennis de Wimbledon. La reine Camilla notamment a attiré tous les regards depuis la loge royale. Vêtue d'une robe blanche assez nouée à la taille et agrémentée d'une broche, l'épouse du roi Charles III n'était pas la seule à être prise en photo par les paparazzi. Il y a aussi eu Peter Phillips, le discret fils de la princesse Anne, qui était sur le devant de la scène. Le frère aîné de Zara est venu accompagner à l'événement sportif. L'ancienne époux d'Autumn Kelly, habillée d'un élégant costume bleu marine pour l'occasion, s'est affichée avec une certaine Harriet Spurling, sa nouvelle compagne. Cette dernière, qui a choisi une robe printanière blanche à motif vert pastel pour l'événement, est une infirmière en pédiatrie, mais également écrivaine en freelance, selon les informations du média Woman Alive. Ce n'est pas la première fois que le couple apparaît en public. On a pu les voir ensemble en mai dernier lors d'un concours d'équitation complet de badminton, puis au club de sport Beaufort Polo et à Royal Ascot, comme l'ont rapporté nos confrères de Town & Country Magazine. De quoi laisser penser que les tourtereaux sont décidément passionnés de sport. La femme qui fait battre le cœur du père de Savannah Ann Kathleen, âgée de 13 ans, et d'Isla Elizabeth, âgée de 12 ans, depuis plusieurs mois, au moins, est également maman. Supérieure à Camilla à Wimbledon, tous les regards étaient rivés sur elle. Un père divorcé heureux aux côtés de sa nouvelle chérie, elle serait en effet la mère d'une fille et elle s'est déjà confiée en toute franchise sur son rôle de mère célibataire angoissée par le manque de sécurité financière auprès de Woman Alive. En revanche, aucune information ne semble avoir fuité concernant l'identité de son ex-mari et père de son enfant. Quant à Peter Phillips, il s'est séparé de son épouse en 2020, après 12 ans d'amour, et a officiellement divorcé le 14 juin 2021. Autumn Kelly a refait sa vie dès l'année suivante, notamment aux côtés de l'homme d'affaires Donald Mulrayan. Article écrit avec la collaboration de 6 médias Crédit Photo, GoFNF.